On va voir comment on va résister la NFP à ça. Parce non, mais, que... mais c'est ça. Voilà, justement, Qu'est-ce que vous dites oui. de ça Est-ce que vous dites euh, ils ont raté le coche ou est-ce que vous dites. Euh, bah... Bah, moi, je vais vous dire, je, je dis aux électeurs, aux électeurs du NFP euh, vos élus vous ont trahi. Eh parce que la vérité, c'est que la semaine dernière, on avait M. Cazeneuve, ça. Premier ministre, et si la gauche avait été un minimum responsable et si elle avait souhaité euh, diriger ce pays, elle l'aurait pu. Donc, je comprends la frustration de, des électeurs qui voulaient une politique de gauche. Mais je leur dis, et pour, on y assiste avec Charles euh, sur les bancs de l'Assemblée Nationale, leurs élus les ont trahis. Et moi, je ne peux que m'en réjouir, parce que euh, sinon, on aurait eu quoi Un gouvernement avec euh, Rima Hassan, euh, ministre des Affaires étrangères non. Non, non, Louis Boyard, mais en non. petit commerce ça, mais euh... non, non, mais Vous, vous... Ça, mais vous savez que ça n'aurait pas été ça. Laissez-le continuer. Enfin, mais... genre, comme ça, je, je, je veux qu'on entende le pire. <laughs> Merci. Non, mais vous enfin, mal. Je, je, je l'ai entendu pour la blague. Les gens me disaient, mais on, on va avoir demain euh, quatre c'est au droit des femmes. Mais on a quand même <laughs> des personnes... Euh, dans leur rang, qui avait de quoi nous faire extrêmement peur et faire basculer le pays dans le chaos. Donc, heureusement que des forces politiques qui ont des divergences, qui ne sont pas d'accord sur tout, ont pris leur responsabilité pour sortir le pays de l'impasse dans laquelle on était. Alors